Alors, on va faire passer le singe au-dessus de l'arbre dans l'empilement des calques. Donc, je prends le calque, pas le tracé transparent, mais le calque qui contient le tracé transparent. Et je vais aller le placer au-dessus du calque de l'arbre. Attention, ceci n'est pas au-dessus du calque de l'arbre. Ici, oui, c'est ce que je disais. Oui, voilà. OK. Au-dessus du calque de l'arbre. Oui, j'étais en train de me gourer. Je prends la vignette, je mets au-dessus du calque de l'arbre. Voilà. C'est plus facile quand on ferme tout, en fait, hein. Évidemment. Ne le mettez pas dedans, parce que techniquement, il peut aller dedans et vous avez créé ce qu'on appelle un sous-calque. Non, on annule si on a fait ça. On ne crée pas un sous-calque. On va prendre le calque et le monter au-dessus. Donc pas comme ça, mais plutôt comme ça. Voilà, et le singe est au-dessus, et quand on clique à côté, on voit la silhouette du singe, bien. Et on peut même demander maintenant de masquer le damier de transparence, menu affichage, masquer le damier de transparence. Comme ça, on a un fond blanc. Ce sera ça qu'on obtiendra quand on imprimera.